Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, avec notre ami Alain Lecourtois, nous allons rendre hommage à l'une des spécialités normandes les plus célèbres, certainement, les tripes à la mode de Caen. Alors, ce n'est pas un plat, évidemment, qu'on peut faire tous les jours, parce que ça demande un certain temps. Mais je crois que dans une émission comme la nôtre, qui est une émission de terroir, il était important de rappeler ce qu'est la véritable tripe à la mode de Caen, telle qu'on la confectionne depuis des siècles dans la région. Il y a d'ailleurs à Caen une confrérie qui défend l'intégrité de cette tripe à la mode de Caen. C'est la confrérie de la tripière d'or qui organise tous les ans un concours de la tripière d'or, un championnat du monde même de la tripe de Caen. Et c'est une épreuve très sérieuse et qui exige de la part des jurés des capacités exceptionnelles, comme vous allez le voir avec ce reportage de Dominique Duforest et de Guy Mildrog. L'aspect pour 20 points, l'odeur pour autant, le goût pour le double, voilà comment est jugée une bonne tripe. Et pour la cinquantaine de jurats présents aujourd'hui, il en restait 145 en concours après une première journée d'élimination. Mais attention, créée en 1952, la confrérie de la tripière d'or ne juge que la tripe à la mode de Caen. Une recette de la tripe à la mode de Caen au départ. Et il faut vérifier qu'il y ait la conformité entre le produit qu'on a devant nous et la recette de base. Si vous mettez des persil ou tomate ou je ne sais quel ingrédient qui n'est pas conforme à la recette de la tripe à la mode de Caen, elle est automatiquement pas dans les normes. Les gardiens du temple veillent. Mais si la recette ne change pas, les bœufs, oui. Deux inconvénients majeurs de la modernité, selon ces spécialistes. Les animaux sont tués plus jeunes, leurs quatre estomacs plus fins risquent de durcir à la cuisson. Une partie des bœufs ne sont plus nourris dans les herbages et les aliments artificiels tachent parfois les tripes. Enfin, bouchers et charcutiers de village, préparateurs traditionnels de ce plat, disparaissent. Les concurrents sont donc moins nombreux. Quant à la qualité, elle tend à s'homogénéiser. De toute façon, les mauvaises surprises s'éliminent au calva. Et tout se termine donc par la proclamation du champion du monde de la tripe à la mode de Caen, à qui on remet la tripière d'or. Alors, si vous voulez concourir l'an prochain, on ne sait jamais, à cette grande compétition, il faut bien regarder Alain Lecourtois. Bonjour Alain. Bonjour Pierre. Hein, c'est vous qui allez donc être le maître d'œuvre aujourd'hui et qui allez nous dire comment on fait la véritable tripe à la mode de Caen. Donc, pour faire cette fameuse recette de la tripe à la mode de Caen, nous allons utiliser bien sûr de la panse de bœuf, du feuillet de bœuf, la caillette de bœuf. Oui, ça c'est les morceaux de l'estomac du bœuf. Hein. Tout à fait. Trois parties de l'estomac du bœuf, qui en compte quatre, mais enfin on en utilise surtout trois parties. Voilà, parce que dans les tripes, c'est pas d'intestin. Souvent les gens croient que c'est l'intestin, mais dans les tripes, c'est de l'estomac. Tout à fait. Bon, ensuite, le pied de bœuf. Toujours le pied de bœuf obligatoire. Hein. Obligatoire. Ensuite, nous allons utiliser de la graisse de bœuf, du poireau, de l'ail, de la carotte, de l'oignon, de l'eau, du sel, du poivre et du calvados. Un point, c'est tout. La tradition veut qu'il n'y ait pas d'autres ingrédients dans cette recette. Alors, on va commencer par découper les parties de l'estomac du bœuf. Donc, on va commencer à découper notre panse. Alors là, c'est très, très important. Il va falloir découper en forme de carré, ouais, ou de petits rectangles, mais on va préférer les carrés qui vont faire 4 à 5 cm de côté. Voilà. Je crois qu'il faut qu'ils aient, c'est ça. Minimum 4 cm, maximum 6 cm. Hein. Voilà. Donc on va bien respecter la tradition, car les puristes m'en voudraient. Et ils auraient tout à fait raison. Puis attention, hein, les confrères de la tripière d'or nous regardent sûrement là. Attention. Voilà, notre panse est coupée. Maintenant, le feuillet.
tout ça, il faut que ça ait été soigneusement lavé et nettoyé avant quand même. Hein. Mais en général, c'est le boucher ou le tripier qui fait ce travail-là de nettoyage. Là. Voilà, d'ailleurs, donc, ça ne sent pas du tout. Là. Non, mais ces ingrédients ont été... Légère odeur qui est... qui est naturelle à la tripe. Qui est ce qu'il faut, bien sûr. Comme l'andouillette. Tout à fait. Ensuite, nous allons couper quand même notre pied, comme ceci. Donc c'est assez délicat parce qu'il est très très dur. Mais enfin, nous allons y arriver étant donné que le couteau coupe très bien. Voilà, c'est un vrai couteau de chef. Voilà, Pierre. Bon. La partie à bas. Maintenant, nous allons, bien sûr, couper nos petits légumes en carré de à peu près 1 cm de côté. J'aurais pu vous aider, moi, hein, si j'avais un couteau. Oh, ça va aller vite, Pierre. Le poireau. Que l'on va mettre comme cela. Deux petites gousses d'ail que nous allons écraser. Voilà Pierre, les ingrédients sont prêts pour la mise en route de la confection de la tripe à la meute de Caen. Alors on met tout ça dans la soupière, non? Couche par couche. Alors au fond, nous allons tapisser avec notre poireau. L'oignon. Poireau, oignon, au fond de la soupière. Carotte. Ou de la tripière, disons, aujourd'hui. Carotte. Son ail écrasé, son bouquet garni. À partir de maintenant, nous allons saler et poivrer légèrement la garniture. Un petit peu de sel aussi. Du gros sel de préférence. Ouais, merci Pierre. Ça va. Et maintenant, par couches successives, nous allons mettre notre pied à peu près au milieu. Le pied au-dessus des légumes, allons-y. Et après, dans n'importe quel ordre. Cueillette, dans n'importe quel ordre. Son feuillet. Tassez un peu quand même. Et la panse. Normalement, la recette, les proportions étaient bonnes, Pierre, ouais. Puisque nous remplissons... Exactement la tripière. Parfait. Alors maintenant... Encore un petit coup d'assaisonnement. D'assaisonnement, donc du poivre. Sel toujours. Toujours Pierre. Allons-y. Le calvados. Ah, le calva. Essentiel, évidemment. Nous sommes en Normandie. De Caen. Eh oui. Voilà. Et de l'eau. Jusqu'à hauteur. Et maintenant, nous rajoutons encore un tout petit peu de poireau dessus, comme ceci. Voilà. Et c'est tout. Quelques parcelles de graisse de bœuf. Pourquoi c'est pas assez gras, les tripes, déjà? Les abats sont un peu secs. Et pour que la recette soit bien, bien, bien moelleuse, en plus du pied, on va y ajouter de la graisse de bœuf. Alors, quelques petites parcelles de graisse de bœuf, bien réparties comme ceci. Mais si elle est trop sèche, à la dégustation, elle ne sera pas championne du monde. Bon, et bien là, on concourt, il faut dire, hein, attention. Tout à fait. Bon, on va essayer. Maintenant, on referme le couvercle. Ouais. Et dans un four à 200 degrés, nous allons commencer la cuisson. Et comme vous disiez tout à l'heure, cela va durer des heures. Combien, en principe? Alors, en principe, avec les animaux âgés, il faut compter une bonne dizaine d'heures. Ouais. Mais là, en l'occurrence... On va faire cuire 5 à 6 heures. Et ça va au feu, ça, la soupière? Ça va au feu, Pierre. Vous m'ouvrez le four. Au four, du moins. Très bien. Voilà. On ne risque absolument rien. Voilà, on met ça au milieu. Et la cuisson, c'est parti. Alors maintenant, il faudra surveiller quand même de temps en temps. C'est très, très chaud.
Pierre. Alors, ouais. Sentez-moi ça, Pierre. Regardez. Légère ébullition, ça a cuit doucement. Ouais, ouais, ouais. On va voir elles ça. Sont confites. Regardez-moi ça. Ah, ouais. On en mangerait. Eh bien, écoutez, on va le faire, hein. On ne va pas se gêner. Bon, vous nous apportez ça à la table. Je vous suis, Pierre. Allez-y. Ouais, je vais servir le cidre. Attendez. Voilà, on a un petit peu de tout comme ça, merci. Voilà. Donc là, elles vont être un peu brûlantes, j'ai l'impression. Donc, elles sont brûlantes, brûlantes. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, Pierre, maintenant, goûtez-moi ça. Avec plaisir, merci. Et moi, je fais partie de la fripière d'or, donc je ne vais pas porter de jugement, mais elle me semble très bonne. Je hein? crois que les puristes ne seraient pas déçus. Ah oui. Oui, je crois que ceux qui vont suivre la recette auront leur chance pour le prochain championnat du monde de la fripière d'or. Elles sont très bonnes, très bonnes. Très... Les légumes donnent aussi une saveur. Une saveur, ah, oui. La douceur de la carotte. L'acidité, un peu du poireau et de l'oignon, c'est parfait. Le mariage, je pense, est réussi. Et avec le cidre, pas de problème.